Tu veux paquer sur FIFA moins cher mais tu sais pas comment faire? Je te conseille d'aller sur Prestart et de prendre des cartes Xbox ou PSN moins chères. Le lien est dans la description, fais-toi plaisir. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la solution du SBC Hybrid League. Alors j'ai attendu un tout petit peu entre la première et celle-là, tout simplement pour qu'il y ait les OTW dans les packs. Je pense que c'est le bon moment pour faire ces SBC. Je vous donnerai avant la fin de semaine le dernier, le Hybrid League Pays, je crois qu'il nous reste à faire, qui est un tout petit peu moins intéressant parce qu'il coûte un peu cher, on récupère des crédits, il y a un peu moins de packs. C'est pour ça que j'ai privilégié plutôt le hybride pays et le hybride league. Évidemment, la Air Force en avait pour 20 000 crédits, la Surfubin t'en a pour 33 000 crédits. Là, je crois que j'en ai pour 17 000 crédits. J'ai 2-3 joueurs que j'ai pas acheté pour une fois. Tu verras pourquoi, je te le dirai dans la vidéo. Mais tout simplement, tu vas pouvoir voir que voilà, t'en auras pour 20 000 crédits en faisant mes équipes ou en tout cas les concepts d'équipe. C'est-à-dire que faut pas forcément refaire la même que moi parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui disent tiens, on va faire des monopoles. Ne leur faites pas plaisir. Si vous voyez que le joueur est plus cher, passez bien par les enchères pour pouvoir les acheter ou Tech59. Si vous voyez que le prix est plus cher, vous passez sur d'autres joueurs, c'est possible. Simplement, donc tout simplement, nous allons dans défi création d'équipe, nous allons aller dans avancé et dans hybride league, en sachant que l'hybride pays, si tu ne l'as pas vu, il doit être par là. Je ne sais pas où, je le mettrai dans la vidéo. Le hybride league, alors le premier, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que voilà, j'ai pris des joueurs bronze et des joueurs argent, mais rien n'est compliqué. Le but est simple, tu fais la même chose que moi, il faut qu'il y ait 5 championnats, donc c'est simple. Là, j'ai mis de la Ligue 2, là j'ai mis de la D1 russe, là j'ai mis de la première ligue, et là j'ai mis de la D1 japonaise. En faisant ça, tu peux faire exactement la même chose, c'est simple. Moi je suis allé tout simplement, j'ai mis anglais plus première ligue. Et tout simplement, je les ai déjà achetés tous les joueurs bronze, comme ça, qui tombaient à 200 crédits. La seule chose qu'il faut que tu te méfies, c'est qu'il faut quand même 5 joueurs rares. Donc bon, voilà, ça sera juste à prendre dans ta tête. Voilà, tu vois, de la Ligue 2, c'est pas très dur. Il suffit de faire la même chose. Et en plus, tu peux peut-être avoir des joueurs dans ton club. C'est juste qu'il faut absolument comprendre le concept. Là, il faut 3 joueurs comme ça de Ligue 2 ou de n'importe quel pays. Là, ça serait bien d'avoir 3 joueurs du même pays avec un autre du même pays, mais d'un autre championnat. Et là, voilà, sur les côtés, mais 2 joueurs, même pays et même championnat. Et là, ça peut marcher. Bon, en tout cas, si tu veux faire la même que moi, moi, j'ai mis Petkovic dans les buts, Wada, Castelletto, Bong, Lissoff, Ito, Lundstram, Tachaef, Slattery, Dufus et Agui. Je sais pas comment ça se prononce. Donc on va soumettre cette première équipe, j'espère que tu as compris. Après les autres équipes c'est plus simple. Ensuite, bah, une petite équipe néerlandaise, il fallait 7 championnats, ça correspond parfaitement. Et contrairement à tout ce qui est français, anglais, etc. ou allemand, bon anglais c'est un peu compliqué parce qu'ils sont pas, ils s'exportent pas beaucoup, ils restent beaucoup en première ligue. Mais voilà, c'est l'avantage, c'est que le joueur néerlandais, un peu comme le joueur français, s'exporte pas trop mal. Et donc forcément on en retrouve un peu dans tous les championnats. Et en plus ils coûtent pas cher parce qu'il n'y a pas de SBC spécifique sur eux. Comme par exemple il y a les MD français qui coûtent très cher, les MD espagnols, etc. Tu verras un peu plus tard dans la vidéo. Dans les buts, j'ai mis Silsen, Hot, Goueleux, Rekik, Attebourg, Vormer, Fer, Kluivert, Berkuis, De Jong, Bergwijn, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est tout. La première équipe, je t'ai même pas dit, c'était 2450 crédits que ça m'a coûté. Je pense que si tu fais exactement comme moi, bon, sauf que j'ai 2 joueurs que je n'ai pas acheté ou 3 joueurs, tu t'en auras pour maximum 3000 crédits. Et encore, il y en a certains que j'ai pas voulu spam trop longtemps. Hein. Le joueur japonais, je pense que voilà, je l'ai juste acheté comme ça. Si j'avais spam un peu, je l'aurais eu moins cher. Pareil pour le joueur russe. Cette équipe là, j'en ai pour 5200 crédits seulement. 5200 crédits, c'est quasiment rien. Bon, là, il n'y a pas de problème. Le collectif, il n'y avait besoin que de 85, évidemment. C'est super simple à faire. On va valider. Il n'y a rien à dire sur cette équipe-là. Dans cette équipe, rien de bien compliqué non plus. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est pas possible d'avoir 100 collectifs. Avec cette équipe, tu auras bien les 99. Donc, tu n'auras pas 100. Mais bon, tu n'as besoin que de 99. Tu n'as pas besoin de plus. Donc, dans les buts, moi, j'ai mis Casillas, Kappa, Bartra, Fontas, Alberto Moreno, Mosquera, Camacho, Edgar Mendes qui est bien en MD, Diego Castro, Ruben Castro et Fernando Torres. Donc les prix ont un tout petit peu augmenté, même ce SBC là, il y en a besoin, donc les prix ont un petit peu augmenté, donc forcément c'est un peu compliqué. Il y en a beaucoup qui se penchent sur des AG ou sur des AD, le problème c'est qu'il faut les repositionner, sinon évidemment tu n'as pas le collectif, mais si tu fais cette équipe, tu auras le collectif. Pense bien à la faire sur tout simplement la console, parce que des fois sur l'application web, ben, il y a des petites différences de points, alors que ça fonctionne parfaitement sur la console. Voilà, ça c'est une chose dite. Pack joueur prime celui-là, pack joueur prime, j'en ai eu pour 5350 crédits seulement, en sachant que j'ai quand même Casillas et tout. Voilà, il y en a un peu pour moi, un peu moins de 7000 crédits pour pouvoir faire exactement la même que moi. C'est vraiment pas cher, on va soumettre l'équipe. Alors, parfait, et alors là, bah, là c'est maintenant que le bas blesse.
c'est tout simplement la dernière. Là, tu peux faire ce que tu veux. À part si tu as un joueur avec la fidélité, comme j'ai moi. Voilà, j'ai le BU. Bon, j'ai même le DG, mais bon, ça change pas grand-chose. Donc, c'est celle-là, équipe, où le bas blesse un petit peu, parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu seras qu'à 99. Donc, forcément, y a besoin de faire le collectif. Moi, ce que j'ai fait pour éviter ça, tout simplement, j'ai deux joueurs que j'ai pu positionner dans l'équipe, où j'ai tout simplement la fidélité, parce que je les ai paqués. Donc, ce qui me permet de pas faire les 10 matchs, parce que je te rappelle, pour avoir le collectif, il faudra que tu fasses les 10 matchs. Alors, ne fais pas 10 matchs et perds pas les matchs. Tout simplement, moi, ce que je faisais et qui marchait pas trop mal, c'est tout simplement d'aller affronter en solo. Tu vas affronter l'équipe de la semaine, tu lances le match. Voilà, tu te mets en débutant, t'en bats les couilles, tu te mets en débutant. Tu lances le match et une fois que le match est à peu près à 5 minutes, en dessous, ça m'arrivait que ça compte pas le match. Au bout de 5 minutes dans le match, marqué voilà, 0-5, voilà. Tout simplement, tu vas appuyer sur le bouton central et tu vas rage quitter FIFA 19. Tu m'es quitté, tu relances et tu verras que ton joueur a fait un match. Et comme ça, tu fais ça 10 fois et ça marche. Je sais qu'il y a peut-être d'autres solutions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Hein. C'est toujours intéressant. Donc voilà, ça peut être intéressant de pouvoir aller plus vite pour pouvoir faire les 10 matchs. Ne perds pas les 10 matchs, ça serait complètement débile. Tu mets bien toute cette équipe dans ton équipe active. Tu vas affronter l'équipe de la semaine. Au bout de 5 minutes, tu rage quittes le jeu, tu relances et tu auras fait un match. Et tu fais ça 10 fois et comme ça... T'es tranquille, t'as la fidélité, tu vas pouvoir comme ça soumettre. Cette équipe, j'en ai eu pour 5950 crédits, hein, c'est quasiment rien. Bon, là pareil, t'en auras à peu près pour 7000 crédits, je te dis. T'en as à peu près, en faisant les mêmes choses que moi, t'en as à peu près pour 20 000 crédits, ce qui est quasiment rien. Je crois que sur Footbin, le moins cher, c'est 33 000. Oui, chez Robert, on fait moins cher. Oh putain, c'est un beau slogan ça. Ah non, j'aime bien ce slogan. Allez, on va soumettre aussi. Et j'espère qu'on va avoir un peu de chance maintenant dans les packs. Voilà, c'est fini, on l'a fini, on va récupérer plein de gros packs. Hein. Alors, allez, on va aller packer, je sais pas du tout combien on a de ça représente en termes de packs. Donc ça c'est un pack jumbo, alors ça c'est compliqué, je sais pas exactement, parce qu'on en a pas en général. On a les packs jumbo premium or comme ça, où là on sait que c'est 15 000, bon on va dire 10 000, donc ça fait 25 000. Un pack joueur prime c'est 45 000, donc 105 000 et on est à 160 000 à peu près comme la dernière fois. Hein. Franchement il est vraiment très intéressant. On est parti, j'espère qu'on va packer du OTW. Il faut qu'on gagne 20 000 pour rembourser les packs. Voilà, il y a pas, faut pas aller chercher plus loin. Allez vas-y, donne-moi, allez, pas d'animation dans le premier, ça c'est moins bon. Ah on commence par Hector, c'est compliqué. Non j'aime pas. Ok derrière c'est que de la merde, on regarde un peu Hector. Ah il voit un peu de crédit Hector, il voit un petit peu de crédit le petit Hector. Pas mal, pas mal. Tout ce qui est pris. Oui, c'est très, très philosophique, ça. Ah, tout ce qui est pris est pris. Bon, j'espère qu'on va avoir un peu de chance. Faudrait une animation. Bon, pas d'animation, malheureusement. Un joueur sympa, quand même. Non, ça va être que Luis Alberto. Comment dire que ça coûte pas bien cher non plus, Luis Alberto. Bon, d'accord. Les deux premiers packs, bien caca. Là, on se rembourse pas. Là, pour le moment, on se rembourse pas. Bon, après, il y a tellement de joueurs qui coûtent des crédits que, bon, sûrement qu'on se rembourse. Mais à combien, je ne sais pas. Pack joueur pris. Allez, Actimel. Cette fois-ci, Actimel. Allez, un joueur sympa si c'est possible. Un joueur sympa si c'est possible. Moi, j'aimerais bien. Non, ça va pas être un joueur bien sympa. Ah là là, ça que Biglia. Pas d'animation dans un pack joueur prime, ça pique. Hein. Ah, pas de joueur à 83 dans un pack joueur prime. J'espère qu'il y a des bons joueurs derrière. Ouais, Raphaël, là, ça coûte rien. Il n'y a rien qui coûte beaucoup de crédit. Hein. D'accord. Bon, mais pour le moment, on n'est pas... Non, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Allez, vas-y, le nez. On perd là. Là, quand on arrive au nez, en général, c'est qu'on vraiment, on est en plein désarroi. J'espère. On va voir. Ah, pas d'animation non plus. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, à chaque fois, je pense que, voilà, on va juste se rembourser. Hein. Si le dernier pack est pas bien, on va juste se rembourser. Parce que, voilà, tu vois, il y a tellement de joueurs qui coûtent des crédits. Même Doucouré, il coûte un peu, quoi. Je sais pas combien il coûte Doucouré, mais bon voilà, ça va être dans les 2000. Vasquez, ça coûte un peu. Rebic, ça doit coûter un petit peu aussi. Tu vois, tous les joueurs mis bout à bout, on va se rembourser. Mais bon, moi, le but, c'était de gagner un peu de crédit, quoi. Pas juste me rembourser. C'est un peu con, quoi. Bon, mais le dernier, bah, allez, vas-y, on fait confiance avec Timel. J'espère que ça va clignoter. Un OTW, une icône, un boost, quelque chose. Voilà. Au moins une animation. Ah, pas d'animation. Ah oui. Bon, bah, au moins, vous pourrez pas avoir pire que moi. Tu vois, l'avantage, c'est que cette fois-ci, vous pourrez pas dire on a eu moins bien que toi, Robert. Ah, c'est compliqué. Ah oui, j'ai pas. Non, là, j'ai pas eu la chatte à mémé, quand même. D'accord.
Alors, en plus, on n'a pas grand chose qui vaut non plus des millions. Bon, Cristian Tello, ça va avoir un petit peu. Vous voyez, chaque joueur va être à 1005 à peu près. Donc, évidemment qu'on va se rembourser, mais on n'est pas sur la folie du slip hein, non plus. Hein. C'est compliqué. Ah ouais, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Bon, mais moi, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Je vais juste me rembourser. C'est-à-dire qu'avec 20 000 crédits, non, normalement, sur 160 000 crédits de pack, avec les OTW, les boosts, les joueurs comme ils coûtent cher, normalement, tu vas te mettre bien. Mieux que moi, en tout cas. Moi, je me suis pas mis très bien. Mais en tout cas, j'espère que vous allez vous mettre très bien grâce à ces solutions. Que vous allez gagner un maximum de crédits. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était Robert 87000. Prochaine vidéo demain. Je vous fais des bisous. Ciao, les gars. Pensez au gros like.